Jean-Jacques Ferrara, député de la première circonscription de Corse du Sud, chirurgien maxillofacial, père de trois beaux enfants, une fille de 20 ans, un garçon de 18 ans et une petite fille de 9 ans. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Casting Politique. Bonjour. 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 Jean-Jacques. Tu es chirurgien maxillo-facial, c'est quoi exactement? Tu t'occupes des mâchoires? Mâchoires et de la face, oui. C'est-à-dire que si je te tabasse... C'est un peu ça. Si tu me tabasses, c'est après tu peux me réparer. Ouais, mais je tabasse pas. Moi, je répare pas le plus souvent possible. Mais enfin, quand ça arrive, je répare du mieux que je peux. Tu fais ça en Corse? En Corse, à Ajaccio. Donc, tu es chirurgien à Ajaccio. Voilà, j'ai gardé une activité chirurgicale que j'ai diminuée par rapport à... À l'époque, je n'étais pas encore député, mais j'ai souhaité garder cette activité qui me permet d'avoir le contact avec la vraie vie et des vrais gens. Il paraît que tu as un petit cabinet clandestin où tu fais de la chirurgie esthétique ici. Non, c'est... Botox, tout ça, tu as fait quelques liftings. Et non, même pas. Ah bon? Même pas, je ne suis pas comme ça. Pourtant, il y a certains, on se demande. Hein. Et oui, mais ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Je consacre beaucoup de temps, en dehors de mes enfants, à mes amis. Voilà, j'aime passer beaucoup de bons moments, de convivialité avec des amis que j'essaie de voir le plus souvent possible. Tu fais des bouffes, Voilà, ben ça peut être des bouffes, des sorties, des week-ends, des petits cafés. Ça fait partie. Je ne saurais pas vivre sans amis. Moi. Tu as des haltères dans ton bureau? Oui. Tu fais un peu de sport ici? J'essaie de me maintenir en forme, c'est compliqué à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il y a un petit groupe qui va courir avec Julien Diff, oui, tout ça. Oui, oui, moi je cours pas trop moi. J'essaie de garder un peu de tonique en faisant un peu d'alter et quelques pompes. Mais on est très sollicité ici et donc il faut faire attention, sinon on prend du poids et... Tu fais un petit peu régime et un peu de sport. J'essaie de faire du régime sport, d'essayer de marcher le plus souvent possible, de ne pas trop prendre le métro, enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire dans ta région? Oh, c'est difficile. Dans ton coin de la Corse, donc toi c'est Ajaccio. Ah ben, mon coin de la Corse, c'est l'ouest Corse, c'est la première circonscription de Corse du Sud qui va d'Ajaccio au nord, qui arrive jusqu'à Girolate et le village d'Ozagne, c'est-à-dire juste avant la Balagne, et du côté est, ça monte jusqu'à Bocognane, c'est-à-dire la route qui va entre Ajaccio et Bastia. C'est une très belle région avec une façade maritime très, très connue, et avec la région des Calanques de Piana, etc. T'as grandi là-bas, toi? Non, moi je suis originaire de la deuxième circonscription de Corse du Sud, c'est-à-dire que je suis originaire de d'Olmeto, qui est un village dans le Valinque, près du golfe du Valinque. Et j'ai fait mes études à Marseille et je suis rentré m'installer en Corse en 2001. C'est quoi ton petit talent? Est-ce que tu chantes, tu danses, tu fais de la peinture? Pas du tout, non. T'as pas un petit truc un peu artistique? Probablement, mais je ne l'ai jamais travaillé, j'en sais rien. J'ai une sensibilité artistique, mais c'est un monde qui m'est complètement étranger. Tu n'as jamais pratiqué les chants corses, par exemple? Non, mes frères, j'ai deux frères. Mon frère aîné chante très bien, l'autre aussi chante pas mal. Mais moi, non, je n'ai pas ce talent, mais j'apprécie beaucoup. Tu as accepté de faire casting politique qui est un peu différente d'habitude. Tu penses quoi en ce moment? Il y a eu la semaine dernière le débat avec Marlène Schiappa. Tu penses quoi ce genre d'émission de politique qui se mêle un petit peu à d'autres émissions? Non, ce n'est pas du tout ma façon de concevoir la politique. Casting politique, c'est déjà un peu différent. Oui, mais ça reste dans un cadre. On est à l'Assemblée nationale, un député peut s'exprimer avec un ton un petit peu libre. Ça, on reste dans un cadre quand même assez... borné, quoi. Si je t'avais fait venir dans un théâtre, justement, pour le même genre d'interview. J'aurais adoré. Ah, t'es amateur de théâtre? Je suis amateur de théâtre, oui, j'y vais pas assez souvent, mais j'aime bien, mais j'aurais adoré. T'écoutes quoi comme musique? C'est très varié, j'aime toutes les musiques, moi. J'aime de David Bowie à Georgette Plana, en passant par... Qui est Georgette Plana? Écoute, je te conseille d'écouter Georgette Plana. C'est quoi? C'est local ou c'est vraiment... Non, pas du tout. Georgette Plana, c'est une chanteuse qui a des années probablement 50, si mes souvenirs sont bons. C'est Riquita, Jolie Fleur de Java, tu connais pas tout ça? Mais écoute, dès que nous avons terminé l'interview, il faut que tu ailles te préciser. J'ai raté ma vie peut-être à cause. Donc j'écoute beaucoup de choses et de la musique classique aussi. C'est pour ça que je dois probablement avoir une sensibilité, mais je n'ai jamais travaillé, mais je suis très ouvert. T'es le seul LR en Corse? Ouais. Tu te sens pas un peu isolé? Non.
Non, isolé, non. Moi, j'ai des bons rapports cordiaux avec mes collègues élus nationalistes. Isolé, non. Moi, je suis. Il y a quelqu'un au sein de mon groupe qui un jour m'a parlé et m'a dit, toi, j'ai compris, j'étais un petit peu cerné. Il se reconnaîtra, je ne vais pas le citer lui non plus. Il a dit, tu es solitaire, mais solidaire. Et j'ai trouvé qu'il avait une bonne analyse. D'accord. Mais tu te sens proche des idées nationalistes ou pas forcément? Non, ce ne sont pas du tout mes idées. Hein. Moi, je suis. J'appartiens à la sensibilité dite libérale, je suis inscrit au groupe Les Républicains, je suis très attaché à l'identité corse, forcément, oui. Mais au sein de la République. Je n'ai aucun doute là-dessus et je souhaite que la Corse se développe, s'émancipe, mais au sein de la République française. Et chez LR, tu es plus proche du courant Wauquiez, plutôt à droite, ou du côté Pécresse? J'aime pas trop ces querelles de clochers, ça me passionne pas. Elles existent, mais c'est pas quelque chose. C'est deux sensibilités, en fait. Les petites histoires au sein de l'Assemblée nationale et au sein du groupe, c'est pas quelque chose qui me. Je trouve qu'il y a des missions beaucoup plus importantes. Laquelle? À remplir. Ben, moi, je suis membre de la commission de la défense, donc je m'y investis beaucoup. Parce que j'ai le sentiment d'apporter ma pierre à l'édifice. Ce sont quand même, pour moi, c'est les enjeux de défense nationale, de sécurité intérieure, malheureusement, aujourd'hui, sont très prégnants. Et chacun, dans sa spécialité, a le pouvoir de travailler, de s'exprimer. Donc, les histoires, les querelles de clochers, selon moi, ce n'est pas le plus important. Donc, ça me désole un peu et je m'en tiens assez éloigné. Et ton plat préféré? C'est toujours associé à des bons moments ou à des époques ou à des personnes. Voilà, moi je me souviens de l'île flottante de ma grand-tante, la sœur de ma grand-mère. Voilà, magnifique. Et avec une crème anglaise magnifique. Je me souviens de mimosas qui ont été faits par un ami à moi, qui est un cuisinier de talent, qui m'a fait en vacances en Balagne. Donc c'est tout ça, c'est aussi toujours, il y a des moments, une personne un moment et un plat ou un vin. C'est indissociable. Très bien Jacques, t'as un petit surnom? Je ne crois pas. Ouais, à l'Assemblée, t'en as un, mais je te le dirai après. D'accord. Tu vas citer quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois? Ah, je serais très heureux que ce soit mon ami Vincent Descoeurs, un de mes amis, qui est le député de la première circonscription du Cantal, qui est une belle personne et qui fait partie de ces gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer depuis mon élection. Merci Jean-Jacques. Merci. Allez, on t'attend après pour les piqûres de Botox. Hein.